Hello, hello, c'est Greg Ursula, les tutos de l'équipe du matin. Il y a beaucoup d'écho ce matin parce qu'on est en bas de la radio, parce qu'évidemment, on n'a pas de plante là-haut. Et on a une super astuce, les amis, pour pouvoir l'arroser, l'hydrater. Et non, on ne peut pas continuer de la caresser comme tu fais. Non, mais j'adore cette plante, elle est vraiment magnifique. Ce serait quand même dommage que pendant les vacances, elle meure parce qu'elle n'a pas eu assez d'arrosage. Déplacement, week-end, vacances, comment est-ce qu'on fait pour arroser une plante en toute tranquillité, surtout qu'elle n'ait pas de problème pour s'hydrater? On a juste besoin en fait d'une petite bouteille d'eau. Ou une grande si vous partez plus de jours. Attendez, il faut juste essuyer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gros chauffer le dessus de la bouteille avec le petit bouchon qui peut venir tranquille. Voilà, on chauffe légèrement pour que ça ramollisse un peu le plastique. Hop, on va venir. On fait un petit trou. On va venir le percer. Voilà, tout simplement. On a le petit trou, on va même en faire un deuxième, parce qu'on est des fous. Voilà. Ouais, on a fait deux petits trous. Et de l'autre côté. Alors déjà, hop. En fait, tu vois, si j'appuie pas, tu vois, quand j'appuie, ça tombe. Voilà. Et si je n'appuie pas, là on peut, regarde, on enfonce le boulot. Ah, voilà. Ça va être sympa quand le PDG de la radio va arriver tout à l'heure. Mais pourquoi une bouteille de viande là, à cet endroit-là? Et là, on va faire la même chose derrière. Ouais. En fait. On chauffe un peu le plastique. Voilà, comme ça, tout simplement. Et on vient, refais-le juste là, parce que sinon ça peut être assez chaud. Tac. Voilà, c'est bon. On est bon. On va revenir faire exactement la même chose. Faire un appel d'air en fait. On va avoir un appel d'air minimum. Tac. Voilà. Et là, ça va se libérer, ça va se vider tranquillement. Et les amis, on peut garder jusqu'à 6 jours avec une bouteille d'un litre simple. Là, c'est pour vous montrer, c'est une 50 cl. Mais on sait très bien que là, ça va mettre 2-3 jours déjà à s'écouler tranquillement. Voilà.